Ça va? Ouais. Tu as pas quelque chose à changer chez moi? Oh, tu t'es coupé les cheveux! Non, rien bien! T'as encore oublié de t'épiler la moustache? Non, ah, c'est dégueu! Je me suis inscrite au permis! Arrête! Ouais. Pour vrai? Ouais, j'ai su que j'en avais marre de renifler les aisselles dans le bus et puis de me faire ploter dans le métro. Et du coup, c'est quand que tu passes le code? On va pouvoir répéter ensemble! Non mais, Caro, le code. Tu crois que j'ai besoin d'un bouquin pour apprendre qu'on ne peut pas se maquiller en feu rouge? Non mais enfin, t'apprends pas que ça dans le code. Bah si, plus ou moins, c'est ça. Excuse. On vient faire un test, ok? Ok. Imagine t'es en voiture. Ouais. T'es sur l'autoroute. Ouais. T'as personne devant, ok? Tu roules tranquille et tout. Et là, y'a quelqu'un qui arrive et qui double sur la droite. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Hé, connard! Tu connais pas le droit de la route ou quoi? C'est par la gauche qu'on double! Par la gauche! Tiens, prends ça! Ouais, y'a pas de doute, hein. T'es prête? I don't really give a damn, damn, damn. Là, tu vois. Mademoiselle, ça suffit. Ah, ça va, je t'écoute, hein. Oh là là. Ok, alors. Oui, madame, je vous écoute, madame. Pardonnez-moi. Bon, bah, puisque tu dessines là, je suppose que t'es prête pour les questions. Ouais. Ok. Alors, sur une route secondaire, qui a la priorité? Celui qui vient de droite. De quoi est composée la distance d'arrêt? D'une chemin de réaction et du chemin de freinage. Que faut-il faire avant de mettre son clignotant? Alors, je regarde mon rétro, je me retourne et là... T'exagères, Caro, tu connais tout, en fait. Mais non, je connais pas tout. Je te sers à rien. T'exagères, là, j'avais appris une méthodologie d'apprentissage psychovisuel, rien pour toi. Non. Oh, mais c'était un prank. Ah, je rigole. Allez, c'était les seuls que je connaissais. Ouais. Vas-y, fais-en une autre. Alors, à quoi servent les feux de route? Ah, oulala. À voir la route sur la route? Loupé! Oh là là, non mais tu connais rien, faut vraiment que je t'apprenne tout depuis le début. Alors, on va recommencer. Alors, quand tu es sur l'autoroute, t'as pas besoin de tes feux de route en fait, t'as juste besoin de tes feux de position. I don't really give a damn, damn, damn. T'es prête, Caro? Ouais. Alors, le siège... Quel... Pardon. Stop, stop, parfait. C'est bon là? Ok. Voilà. Angle bord. Ok. C'est bon. Top. Clic. C'est parti. Clic. Trrr. Je comprends pas. Ça va pas. Bon, t'as dû caler. Vas-y, recommence. Mais faut bien, tu vois, trouver le juste milieu entre l'accélérateur et l'embrayage. Okay. Faut que tu te concentres, Caro. Oh, ouais, je pense. Ok. Allez, vas-y. Ça marche pas. Je comprends pas ce que je fais de pas bien, là. Ah, oui, j'ai oublié le... Ouais, le frein à main, ouais. Ouais. Bon. C'est parti, ma poule. On y va! I don't really give a damn, damn, damn. Oh non, mais il manquait plus que ça, là! Ouais, bon, en même temps, t'avais qu'à pas griller un feu rouge. Non, mais super, la prof, quoi. Tu crois qu'on va aller en prison? Oh, j'ai pas envie d'aller en prison! Oh non, tu te mets pas à faire la chouineuse en plus de ça, hein. Laisse-moi faire. Tu dis rien, surtout. Laisse. Bonjour, monsieur l'officier, comment allez-vous? Vos papiers. Ciseaux! Ah! J'ai gagné! Non? Non, d'accord. Donne le papier. Merci. Je reviens, merci. Caro, sors-nous de là, je t'en supplie là! Ton parfum! Monsieur l'officier, on est tellement désolé. On a fait une grosse erreur, mais ça ne se reproduira plus jamais, c'est promis. Du coup, c'est dommage parce que ça veut dire qu'on ne se recroisera plus. Désolé, mademoiselle, mais ça ne marchera pas avec moi. Je vais devoir vous amender et vous devrez régler ça dans les 10 jours. Oui, mais enfin, c'est que... C'est qu'on a fait dans le bug et mais ça n'est pas parti, c'est des folies. J'ai perdu mon chien. S'il vous plaît, j'ai pas d'argent. I don't really give a damn, damn, damn. Boum, 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 boum. Je le savais. C'est qui la mère des profs? C'est moi.
quelle journée. Mais quelle journée, c'était génial. Putain, mon frère, détends-moi, Caro. Et moi surtout, hein, c'était pas gagné. Hein. Allez, fais voir. Il est mais où de quoi tu parles, là? Mais ton permis, il est où? Ah, ça. Ah bah non, du coup, je l'ai pas vu. Hein. Par contre, l'inspecteur, mais qu'est-ce qu'il était mignon. Célibataire, en plus. Évidemment, il est tombé amoureux de moi, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Du coup, on allait faire un tour à la fête foraine, tu sais, là, juste à côté. Oh, c'était génial. J'ai adoré.